Amen. 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 Adorer mon trône, je t'adore en esprit et en vérité. Dieu, on l'adore pas charnellement. Amen. Il y a discussion, il y a Jésus-Christ et la femme samaritaine. Amen. Hein? Amen. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, dans Jean 4, dans Jean chapitre 4, dans verset 22, allez, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissions. Ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Hein? Amen. 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 Ceux qui l'adorent, le Seigneur l'adore en esprit et en vérité. Et la Bible dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous, nous adorons ce que nous connaissons. C'est-à-dire, nous, Bissot, toujours pour adorer, Bissot, Bissot, Amen. 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 Am
Qui est connecté sur cette chaîne de prière, Jésus-Christ, ma référence.
puissance. Yahweh, j'implore ton pardon, oh oui, miséricordieux. Aie pitié de nous. Aie pitié de tout un chacun de nous. Aie pitié de ma maison. Aie pitié, oh oui, Père éternel, le Dieu de gloire de ma famille. Ma belle famille, oh oui, Seigneur, Dieu de gloire. Yahweh, aie pitié. Où irai-je, moi, Père éternel? Où me cacherai-je? Yahweh, tu connais tout. Tu vois tout. Toi qui sondes le cœur et le repère éternel. Tu connais les fins fonds de mon cœur. Je ne peux pas me cacher au devant de toi. Tel que je suis, Seigneur Dieu de gloire, miséricordieux. Je viens auprès de ton trône de grâce pour obtenir miséricorde. Alléluia. Je viens auprès de toi, miséricordieux. Yahweh, aie pitié de moi. Père éternel, oh oui, mon rocher, mon roi. Aie pitié, papa. J'implore ton pardon, Seigneur Dieu de gloire. J'implore ton pardon, Seigneur Jésus-Christ. J'implore ton pardon, mon rocher, mon roi. J'implore ton pardon, oh oui, Yahweh. Aie pitié de nous, Seigneur Dieu de gloire. Aie pitié, miséricordieux. Alléluia. Toi qui en as la colère riche à bonté. Miséricordieux, c'est toi, oh oui, Père éternel. Yahweh, j'implore ton pardon. Miséricordieux, aie pitié, je t'en supplie. Aie pitié, papa. Aie pitié. Alléluia. La Bible nous dit, bien aimé, sans la sanctification, personne ne verra la gloire du Seigneur. Le sang de Jésus qui a coulé sur la croix pour nous sanctifier. Le sang de Jésus a coulé sur la croix, bien aimé, pour nous purifier. Bien aimé, le péché nous sépare de Jésus. Bien aimé, le mal nous sépare de Jésus. Nous allons invoquer le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus purifie nos cœurs. Que le sang de Jésus enlève toutes les semences mauvaises. Que le sang de Jésus enlève toutes les plantes mauvaises. Dans nos pensées, dans nos cœurs, ce que le diable a semé, nous allons invoquer la puissance du sang de Jésus. Que ça commence à purifier, que ça commence à laver, que ça commence à déraciner toutes les semences de l'ennemi qui est dans nos cœurs, qui est dans nos pensées, qui est dans nos vies. Que le sang de Jésus nous purifie et nous rend libres ce soir. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Oh, Yahweh, il est écrit dans ta parole, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Il est écrit, sans l'effusion du sang, il n'y aura pas le pardon du péché. Voilà pourquoi, oh oui, Père éternel, miséricordieux. Yahweh, j'invoque à la puissance de ton sang, Jésus-Christ. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Et je bois la puissance du sang de Jésus-Christ. Laisse que ton sang précieux, Yahweh, qui a été coulé à la croix de Golgotha pour moi. Mon cœur, mon âme, mon esprit, ma pensée, homme intérieur de moi, mes yeux, ma bouche, mes oreilles et mes mains, sois sanctifié, purifié dans la puissance du sang de l'agneau de Dieu Jésus-Christ, la puissance de ton sang, Père éternel, lave, sanctifie, purifie mon mari, mes enfants, sanctifie, purifie ma maison, sanctifie, purifie, oh oui, Père éternel, ma famille, ma belle famille. Tout est chacun de nous en ce moment, nous sommes réunis, oh oui, Père éternel, sur cette chaîne de prière. Laisse que la puissance du sang de l'agneau de Dieu Jésus-Christ. Et salam, salam, katinabiso. Et sous colacor, âme, esprit, pensée. Yande comme moi, cognosso. Oh, asangani, katina, chaîne de prière, oh yon colo. Afin que nous tous ensemble, nous puissions être le parfum de bonne odeur. Afin que Yahweh nos prières en ce moment, Père éternel. Et manako parvenu na koko manako na yonzambe. Oye manako agreye yango. Oui, Père éternel. Voilà pourquoi nous invoquons la puissance de ton sang, Jésus-Christ. Et salamoussala. Et rendre biso blanc. Et purifier biso. Et sanctifier biso. Alléluia. Oh oui, miséricordieux. Le sang du pardon. Alléluia. Le sang du pardon. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et manako Katina la semence Ezaïan Koloté. Vous allez déraciner par la puissance du sang de Jésus Christ. Alléluia. Makila na yon sang. Eba na ko ote. Makila na yon kolo. Et déraciner. Alléluia. Merci. Oh bien aimé, la Bible nous dit, nous avons la victoire par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a donné la victoire. Amen. Nous allons proclamer la victoire du sang de l'agneau. Nous allons proclamer la victoire.